de la première édition du Tour de l'Avenir féminin, Challes a été ville départ ce jeudi 31 août. L'occasion d'accueillir les coureuses des 19 équipes et de les présenter aux nombreuses personnes venues assister à l'événement. La journée a pu se dérouler dans les meilleures conditions avec l'appui des services de la commune, des signaleurs et élus, des organisateurs du Tour et leur équipe, ainsi que de la gendarmerie. Challes-les-Eaux-Megèves, une étape de 80 km et 1941 mètres de dénivelé, entamant la séquence montagneuse. Après 2h32 minutes et 44 secondes, l'Italienne Gaia Realini remporte l'étape.